c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les produits terminés de janvier, spécial bébé. Voilà, voilà, j'ai décidé de séparer les produits terminés des grands, en fait, tout ce qui est beauté, hygiène, etc., des produits terminés bébé pour que ce soit plus distinct. Et de toute façon, je vais en avoir de plus en plus à vous montrer. Puisque bien sûr bébé grandit, bébé met plus de couches, bébé utilise plus de produits. Donc voilà, si cette vidéo ne vous intéresse pas, je ne vous en voudrais pas. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine. Et sinon, on commence tout de suite. C'est parti. Donc voilà, comme les produits terminés beauté, j'ai tout regroupé dans un petit tote bag. Et c'est le tote bag Vive les bébés que j'ai eu grâce au magasin Intermarché. Donc si vous avez un bébé de moins d'un an, je crois, ou si vous êtes enceinte, je crois que c'est moins d'un an ou 6 mois, je sais plus. Vous pouvez vous rendre au magasin Intermarché en ayant la carte de fidélité et vous allez avoir un petit tote bag avec plein de petits produits à tester dedans et à découvrir. Ça, c'est plutôt chouette. Donc on passe au contenu parce qu'il est bien rempli, pas très lourd puisque c'est beaucoup d'emballage, mais il est très bien rempli. Alors, je commence avec ce paquet de lingettes de la marque Pommade, justement, que j'ai eu dans le tote bag. Ce sont les lingettes Agility, des lingettes fraîcheur à l'aloe vera, baby dermocare, testées dermatologiquement pour les bébés de plus de 0 mois. Bah évidemment, hein, tu ne vas pas l'utiliser avant la naissance, enfin bref. Du coup, voilà, ce sont des lingettes imprégnées pour la toilette de bébé. Je les utilisais principalement pour faire un débarbouillage du visage de Tristan et quand il y avait des gros cacas, des cacas atomiques, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt pratique, elles faisaient très bien leur job, bébé s'est amusé souvent avec l'ouverture du petit paquet puisque ça traîne souvent autour de la table allongée. Donc voilà, j'ai bien aimé, bébé aussi, et pourquoi pas en racheter plus tard parce que là j'ai fait le stock de la lettre Pampers. Toujours de la marque Pommade, cette fois-ci ce sont les couches, donc des couches absorption optimale pour le jour et la nuit, couches Agility Dry en taille 4. 7 à 18 kg, j'avais profité d'une super offre dans mon Intermarché, je ne sais pas s'il y avait dans tous les Intermarchés, c'était un paquet comme ceci, à 4 euros je crois, il y avait une remise immédiate, du coup j'en ai pris 3. Donc voilà, j'ai terminé un premier paquet, il y en a 56 à l'intérieur, elles font bien leur job, pas d'irritation, pas de fuite en journée, il y a eu 2 fuites la nuit. Mais bon, bébé dort sur le ventre, donc forcément s'il fait des gros pipis, ben, ça fuit sur le devant. Voilà, voilà. J'essaie d'y remédier, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Ensuite, on a terminé, surtout Tristan a terminé ses petits cotons. Enfin, ses petits, pourquoi je dis petits à chaque fois? C'est Maxi Coton Baby de la marque Carrefour. Franchement, ils font très très bien leur job. Et pour le moment, je ne reprends que ceci. J'ai du backup en coton Leclerc que je termine, mais je rachète pour le moment que cela puisqu'ils ne peluchent pas, ils font très très bien leur job, je les aime beaucoup. J'ai fini un pack de 100 sachets de sac à couche pour neutraliser les odeurs avec une odeur un peu parfumée, enfin un sachet un peu parfumé. Donc ce sont des sachets à couche que j'ai acheté chez Action et franchement ils sont top top top. J'en ai déjà un backup, j'en ai déjà racheté l'année dernière. Il m'en reste encore 2 je crois en backup, donc plutôt pas mal. Comme je vous disais que j'aimais bien les cotons Maxi Coton de la marque Carrefour, Baby Carrefour. Ils sont vraiment top, franchement il n'y a pas d'irritation, ça peluche pas, ça fait très très bien le job. Ensuite encore un sachet de couches, oui oui, il y en aura beaucoup je crois. Donc ce sont les couches Biolan, de la marque Biolan, zéro fuite pendant 12 heures en matière naturelle, 0% de perturbateurs endocriniens, 0% blanchiment, 0% allergène, sans pesticides, sans parfum, sans lotion, etc. etc. C'était en taille 3, donc voilà, bébé est passé maintenant à la taille 4. Fabriqué en France, c'est un produit éco-responsable, testé et adapté pour les peaux sensibles. Franchement, elles sont topissimes ces couches, elles sont un peu chères, donc je les achète quand il y a des promos et quand j'ai des bons de réduction, parce que sinon elles sont vraiment top et les dessins sont trop mignons. Là c'était un petit chat, franchement, trop 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 mignon. D'ailleurs voici le deuxième paquet de couches Biolan en taille 4, puisque comme je vous disais Tristan est passé en taille 4, avec un petit pingouin. C'est vraiment trop mignon leur petit dessin là sur les couches.
C'est trop chou et elles font bien leur job, il n'y a pas eu d'irritation. Il y a eu une fuite la nuit, je crois. Mais comme je vous dis, comme bébé dort sur le ventre, c'est un peu compliqué de ne pas avoir de fuite la nuit. Enfin, c'est rare, en même temps, il ne fait pas des fuites toutes les nuits, mais de temps en temps, il y a quelques fuites la nuit comme il dort sur le ventre. Dites-moi si vous avez des solutions pour l'aider à dormir sur le dos ou sur le côté, mais pas sur le ventre, parce qu'à un moment, du coup, elle ne dort pas très très bien la nuit, vous comprenez? Alors, dans le tote bag, j'avais eu ce sachet de bavoirs jetables imperméables de la marque Pommette, hein, c'est la marque Intermarché. C'était plutôt pas mal, j'avais mis ça dans le sac à langer. Il y en avait combien dedans? Trois, je crois. Ah, deux. Deux bavoirs avec un retour de bavette. Un retour. Un ramasse-miettes, voilà, je cherchais le mot. Un ramasse-miettes, et franchement, ça a bien dépanné, mais bon, je ne rachèterai pas parce que j'ai des bavoirs à gogo. Bon, encore un sachet de couches pour le mois de janvier, donc ça fait 4 paquets de couches, à raison de 50-40 couches, 200 couches par mois. On y va. En même temps, je laisse pas trop traîner dans la couche, hein, j'aime pas ça. Du coup, c'est encore un sac de couches de la marque Pommette, la gamme Agility Dry, donc c'est le deuxième, il m'en reste plus qu'un d'avance. Toujours en 4, 7 à 18 kilos. Voilà, je vous dis, à part les fuites quand il dort sur le ventre, je dis pas de bêtises, j'ai rien à redire à ces couches. Elles sont top, elles taillent bien, le scratch est bien, parce que j'en avais, c'est lesquelles qui scratchaient pas? Les Lotus, je crois. Je crois que les Lotus ne scratchaient pas bien. Enfin, les scratchs, ça s'enlevait plutôt facilement. Du coup, voilà, je les aime bien, je les rachèterai plus tard, parce que là, j'ai le stock, si j'ai des promos, évidemment. Il y avait aussi un petit paquet comme ça de maxi carré visage et corps de la marque Intermarché, c'est encore leur gamme Pommette, cette fois-ci leur gamme bio pour bébé, ultra doux, 100% coton issu de l'agriculture biologique, c'était un format de 50 petits maxi carrés, je n'ai des bonnes avec des petits, qu'ils ont très bien fait leur job, ça ne peluchait pas, donc de temps en temps je pourrais me rediriger vers cette gamme-là de la marque Intermarché pour alterner avec les Carrefour Baby. Mais voilà, franchement, une belle découverte du tote bag. Les indétrônables lingettes Pampers. Oui, ce sont les Pampers sensitives. Un paquet de 52 lingettes qui font très très bien leur job, que je connais depuis que je suis petite. Et puis, je rachète, et là j'en ai pas mal en backup. Pas forcément la gamme sensitive, mais c'est la marque Pampers. Je crois que son tiroir est plein à craquer. On a terminé ce produit de la marque Rivadouce Bébé, c'est le lait de toilette. Alors, le petit pépillon est cassé puisque Tristan m'a fait tomber la bouteille de sa table allongée. Forcément, un bébé ça bouge, du coup voilà. C'est tombé par terre et patatraf. Je n'arrive plus à le remettre et bon, ça ne m'a pas empêché de prendre le reste de produit à l'intérieur. Donc, c'est le lait de toilette visage et corps qui nettoie et hydrate, testé dermatologiquement et hypoallergique. Hypoallergénique, fiou, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'utiliser pour Tristan, surtout pour nettoyer ses fesses après un caca atomique et aussi un peu lui passer de temps en temps après le bain sur le corps, sur le visage. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est un format de 500 ml. C'est beaucoup, mais ça part très très vite quand on l'utilise tous les jours. Donc voilà, je rachèterai avec plaisir. Et le dernier produit, c'est ce flacon d'eau nettoyante de la marque Dodi que j'ai eu en cadeau lors de la naissance de Tristan. C'est une eau nettoyante 3 en 1, il s'exprime un bébé, pour le siège, le visage et le corps, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc à utiliser dès la naissance de bébé, hypoallergénique et elle est sans rinçage. Donc ça c'est vraiment top, c'est du Made in France, c'est un format 500 ml, toujours flacon pompe, très très pratique. Autour de la table allongée, j'adore ce type de packaging flacon pompe. C'est rapide et pratique. Et du coup, je l'utilisais pour rafraîchir bébé après une couche, enfin une couche, le matin après le lever, aussi après le débarbouillage du repas du midi, du goûter et du soir. Voilà. Et aussi pour rafraîchir un petit peu les fesses de temps en temps. En complément du liniment ou du lait de toilette. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'en ai déjà entamé une autre de cette petite bouteille d'eau nettoyante qui sent très très bon en plus. Ça sent trop bon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà.
Et voilà, mon tote bag est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je pense pas. Je me suis dépêchée. J'ai essayé de vous présenter en gros les produits terminés de bébé. Et du coup, je remarque en fait qu'ils utilisent quand même pas mal de couches. Je change régulièrement en fait. Donc j'attends pas qu'il pleure ou quoi. D'ailleurs, il pleure jamais. Du coup, voilà, je suis contente de faire cette nouvelle série de vidéos spéciales bébé sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ce que vous utilisez, je vais y arriver, je suis fatiguée un petit peu. Ce que vous utilisez, si vous avez des bébés en couche, en marque de couche, en produits nettoyants, etc. pour le change de vos bébés. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me permettra de découvrir des produits si je ne les utilise pas. Et puis moi je vais filer, donner le goûter à Tristan, puisque comme vous avez pu l'entendre lors de cette petite vidéo, il est réveillé, je vous rassure, il est avec son frère et avec son père, il n'est pas seul. Hein. Du coup voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Bye bye.